L'histoire que vous allez découvrir est basée sur des faits réels et s'est déroulée en 2018. Dans les grandes enquêtes criminelles, beaucoup d'hommes tombent. Il y a des dossiers qui peuvent vous sucer de l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu filmes là ? Stéphane, il faudrait que ça soit beaucoup plus aigu. Non, je déconne. Brigitte, posez cette arme immédiatement. Non, 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 non. Nous sommes le FBI. Le FBI a ruiné nos vies. Vous êtes au bout du rouleau. Arrêtez, je vais bien. Oui, oui. Arrêtez. Le fils du gouverneur vient d'être retrouvé mort. J'ai besoin de vous. Maria Carré ou George Bush ? George Bush. Un serial killer, c'est une expression française. Qui sont les 12 autres victimes ? Moteur. Elle est pas facile celle-là. Non, elle est pas facile. Il y en a une où c'est dur, c'est. Il y a beaucoup de vannes. Hein. Et Amish, il mange les pieds, les mormons les couilles. C'est qui a pas tiré la chasse ? C'est normal de rêver de vous en jupe, Murdoch. Moi, j'ai rêvé de vous, Cox, et vous étiez une poupée gonflable. Il arrêtait pas de se tripoter le bidule. Ok, alors c'est qui Bowler, c'est qui Ripley ? Hey, le FBI ! Vous êtes-vous déjà promené tout nu devant un bus rempli d'Indiens ? Non ! C'est encore un piège, Ripper. Calme. Moins crier, quoi. Ta gueule. Il y a des dossiers qui peuvent vous sucer de l'intérieur, tel un aspirateur fou contrôlé à distance par les forces du mal. Nous devons penser comme le tueur, se mettre dans sa tête. J'ai peur des taupes. Dumbo. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est la plus extraordinaire, la plus incroyable depuis Pirates des Caraïbes. Oui, je vais vous rappeler parce que là, je suis en train d'enregistrer, là, je peux pas. Et cette histoire est arrivée à deux agents du FBI, devenus célèbres avec l'affaire Pamela Rose, Richard Bellet et Douglas Ripper. Bon, on peut y aller, là, les gars. Bonjour. 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 Bonjour.